J'ai vu souvent des expositions ici, dans lesquelles j'ai eu l'impression que la proposition artistique était un peu écrasée par le lieu. C'est un lieu qui a, voilà, ses caractéristiques propres, hein, une charpente très imposante, mais c'est aussi un lieu qui, finalement, et aussi à travers sa mise en avant, par le Pays Voironnais, est un lieu qui exalte les valeurs du passé. Et en l'occurrence, la Grange d'Hymières était un lieu qui était consacré à la collecte et au stockage de la dîme, donc une forme finalement d'oppression du peuple par le clergé, associée à une forme d'obscurantisme d'ailleurs. Et par rapport à ce lieu que je trouvais difficile, enfin bon, qui avait une énergie qui me semblait pas formidable, je me suis beaucoup interrogé sur la manière dont on pouvait faire exister une proposition artistique. Et puis, à un moment donné, m'est venue en référence la Sagrada Familia de Gaudi, exemple d'un monument quand même complètement incroyable et démesuré, et en même temps avec un aspect visionnaire très fort. Et ce travail de Gaudi à la Sagrada Familia a aussi ça de remarquable que, bah évidemment, il a débuté du vivant de Gaudi, mais il se poursuit depuis 135 ans, et donc évidemment des forces nouvelles sont venues pour voilà, continuer à faire exister ce projet, qui à son tour peut en inspirer d'autres comme moi pour faire d'autres réalisations. Je me suis inspiré de ce travail de Gaudi que par ailleurs j'admire vraiment pour essayer en effet de me mesurer à l'entièreté de cet espace, quoi. Je me suis dit qu'il fallait finalement que ce soit une cathédrale laïque, qui soit pas empreinte ni de dogmatisme ni de prosélytisme.
au centre de cette installation, j'ai souhaité faire figurer quelque chose qui soit de l'ordre de l'aspiration à la sagesse et du dépassement de soi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, je crois en effet qu'il y a l'artiste, et l'artiste fait une proposition, et qu'ensuite, quelque part, cette proposition ne lui appartient plus, elle appartient à ceux qui viennent la découvrir. Et j'espère les amener, évidemment, dans une sorte de rêve, mais aussi dans quelque chose qui dit les valeurs essentielles, quoi. De la spiritualité telle qu'on peut l'interpréter personnellement. Dans ces valeurs, celle qui figure au centre, c'est quand même l'aspiration à la sagesse. Voilà. Et l'aspiration à la sagesse, j'ai souhaité l'incarner à travers la fleur de lotus. Merci pour ces explications, mais ce lieu il est assez prégnant, hein. Il peut se dispenser d'explications tellement il nous envahit, on va dire, avec tous ses plis. Et au début, moi je vous ai présenté comme un sculpteur, vous êtes aussi un fondateur et un animateur d'un lieu d'art contemporain qui est assez original, qui s'appelle la tech. Alors qu'est-ce que c'est que la tech en deux mots? Alors la théorie des espaces courbes, c'est donc un centre d'art alternatif, qui se propose finalement de défendre les artistes vivants en les encourageant à proposer des projets ambitieux, d'envergure, qui justement, là encore, soient une forme de dépassement, avec l'idée que finalement leur engagement généreux, c'est ça qui va marquer les imaginations du public. Et là où souvent pour beaucoup d'artistes l'horizon est un petit peu bridé parce que bon, on n'a pas toujours la possibilité de s'exprimer comme on le souhaiterait, la tech ambitionne de donner aux artistes la possibilité de faire ce qu'on les laisse pas faire ailleurs, tout simplement. Voilà. Donc bon, on reçoit des gens formidables. Vous pouvez regarder le site internet pour vous en faire une idée. Ça se passe à Voiron. Et puis hein. C'est à Voiron, exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.